Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit RP de Évosion comme d'habitude. Donc là, c'est le quatrième épisode. Donc je suis taxi cette fois. Bon bah, comme d'habitude, hein, on va essayer de livrer ce qu'il faut et de pas se faire choper. Et voilà. Vous pouvez parler les gars, allez-y, faites-vous plaisir. Salut. Et si je veux pas. C'est toujours le bordel, frère. Ajoutez-moi sur Tinder. Donc voilà les gars, bah je pense qu'on peut aller les gars, je sais pas ce que vous en pensez mais... Les flics, allez vous placer. Je lance le compte à rebours. Il y a quand même une lambeau, hein, je dis ça. Et les flics, mettez il y en a un, il a oublié de partir. Oh, la foule, elle est même à lambeau. La foule, elle va vachement vite les gars. Non. Non, c'est qu'elle a bugué, je crois. Bah, attends, c'est une téléportation. La soupe, elle est que en essence. Attention là. On part de la gauche vers la droite. On commence par le premier là. C'est quoi comme soupe? C'est Papu qui commence, vas-y. Eh les gars, franchement, mon moteur, je peux aller trop vite avec ça. Ma voiture et tout. C'est une comète. Gars, ouais, il l'a amélioré, sa soupe. Oh, les flics, on peut partir ou pas les taxis? Attends. On a dit une minute et reste 15 secondes. Attends, ouais, c'est ça qu'il faut. On est en dégâts simulation aussi. Bah oui. Oui, tout le monde est en fini. Allez, go. Allez-y, les gars. Oh, il y en a qui a pris la même voiture que moi. Eh, hey, wesh, mon frère. Frérot, ouais. Eh, frérot. En ville, c'est combien, les gars? 80. Est-ce qu'on a le droit d'appeler la police pour dire qu'il y en a qui font des drifts? Ce bâtard. Tu peux Casse. J'imite Aurélien, les gars. Sale poucave. Je peux pas te doubler, t'as une BM. Comment tu veux que j'ai plus de queue, toi? C'est pas possible, ça. J'ai pas l'impression d'être bouclé. Mais non. C'est qu'une impression, ça. Oh, ça y est, il y a tous les flics ici, frère. Exact, il y a tout le monde, frère. Ah ouais, d'accord, ok. C'est la galère, là. Ça commence. Il y a des bouchons en plus. Putain, je vais pas être à l'heure pour ma livraison. Oh, c'est une galère, ça. Je vais pas être à l'heure. Ah ouais. Il est fou. Il est fait DPD, lui. C'est la forme, tu t'arrêtes tout de suite. Il fait trop bien le mec un peu vénère, c'est-à-dire, putain encore les bouchons, je vais pas pouvoir ramener. C'est ça. Tuer. C'est dommage qu'il n'y a pas un klaxon qui fait. La BM devant moi accélère. Je peux pas la passer. Ah, prends-le comme un avertissement, c'est bon, le flic tu le lâches maintenant, tu lâches fringue. Ah mais il m'a fait perdre 10 minutes frère. C'est que tu sais pas parler en fait, donc vas-y. Putain. Mec. Ta langue, mec. Allez. J'ai perdu 10 minutes. Oh, l'autre, c'était ton micro là. Putain, il me fout. Je suis dans Alpha Romeo. Contrôle de routine. Donc, voyage. Je voudrais avoir vos papiers d'assurance, votre permis de conduire, votre carte grise et votre carte d'identité, s'il vous plaît. Ok, monsieur. Si. Je sais. Monsieur, tout est en règle. Vous voulez bien klaxonner? Oh, j'ai pas remis ma plaque. J'ai pas eu le temps. Merci. Oh, non, monsieur, mais j'ai pas eu le temps, mais... nous travaillons les gendarmes de l'armée. Nous travaillons sur une enquête de transport de terroristes par des taxis. Mais je voudrais savoir si vous transportez. C'est des immigrés. De d'immigrés. De d'immigrés. Je transporte que des personnes normales. Bon. Je vais vous laisser alors. Au revoir. C'est bon la Gaillardot, tu peux. Max? Je pense que c'est Max. Oui, bah oui, c'est Max. Oui, c'est moi. Oui. Bah vas-y, tu peux. Y'a pas de queue sur l'autoroute, trop tard. Tenez, monsieur. C'était trop Tenez. Tard. Moi je te dis, il n'y a pas de coffre sur l'autoroute. Non, fais attention, gros, ils sont.
Ils sont en t'inquiète direction pas. De... Chut, taisez-vous, putain. Bonjour. J'ai continué, Matt. Je n'ai pas de plaque. Oui, bah oui, mais j'ai pas eu le temps. Là. J'ai pas eu le temps de permettre. Vous êtes un bon temps pour... Oui monsieur, je suis désolé, c'est que j'ai pas eu le temps de la remettre. Je viens juste de changer mon pare-choc parce que il y a un policier qui m'est rentré dedans, donc je l'ai carrément changé quoi. Donc et j'ai oublié de la remettre. Donc vraiment désolé. Fois, je vais vous laisser la plaque. Par contre, la prochaine fois que je vous croise, vous avez intérêt d'avoir votre plaque d'immatriculation. Oui, je vous promets que je vais la remettre monsieur. On a du transport d'immigrés aussi en ce moment, beaucoup par rapport au taxi, mais moi j'aimerais savoir si vous transportez justement ce genre de personnes. Alors non, parce que je vais vous faire une révélation, je suis raciste. D'accord, bon, voilà. Par contre vous regardez bien votre assurance, c'est un million. D'accord, pas de soucis. Bon, vous avez juste un avertissement pour cette fois et n'oubliez pas votre prix. Merci monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Il a oublié l'excès de vitesse. Oui. Chef, t'as voulu dépasser comme un fou, tu t'arrêtes. Alors, écrivons un message. Putain, t'as cassé toutes les voitures, le coeur, je suis bloqué. Ah, j'ai eu peur. Alors, donc, maintenant, c'est... Ah, c'est bon, le keuf, il parle pas, Kratox, c'est ferme ta gueule. Ça sert à rien. Vas-y, fonce. De quoi je parle pas? Bah, je sais pas, lui qui se met bah oui, depuis tout à l'heure, tu parles pas. Si je parlais, c'est monsieur, je parlais. T'entends pas parler. Oui, tu parlais dans le. Vous voulez pas qu'on recommence, les gars, parce que là. Ce qui paraît dans le vent, c'est. Ouais, bah non. C'est... Bah, mes frères, je sais même pas ce qu'il m'a dit tout à l'heure, j'ai perdu 10 minutes. Mais du coup. Bah, c'est vrai. Bah, c'est ça. Frag, je te rajouterai. Je te rajouterai 1000 euros. Kista, tu t'arrêtes. Ouais, ok. Voilà, tu. No problème. Je viens de livrer, c'est bon. Frag, je viens de livrer à la mine, wesh. Ah, ouais, GG, bon. Frère. J'envoie un message, j'envoie. Kista, tu t'arrêtes. Ah, mais t'es avec la Subaru sur cheaté aussi, t'es sérieux? Oh, c'est 280 maximum. Bah ouais. Parce qu'il l'a amélioré, lui, en essence, il est en B666. Ouais mais gros, mais... tu triches aussi avec ta voiture. On peut même pas faire de refus d'obtempérer et on peut pas y avoir d'action. Depuis tout à l'heure, une Fiesta en plus, qui s'arrête j'ai livré, quoi. Là normalement. Non, je m'arrête pas, ils arrivent pas à me rattraper, ils sont à 3. Non. Oh, tu leur mets une douille, frère. Elle est galère à livrer, je vous fais perdre du temps à livrer. Et ouais. Fais gaffe à ton mi-père. La Lamborghini qui va arriver derrière toi, mon pote, tu vas faire trop. J'avoue. Fais gaffe au mi-père, frérot. Je vais prendre la Delicuite. Par contre, vous savez que Graxo et tout, vous allez hyper loin là, vous êtes en sortie de là. Mais en fait, hey, les gars, j'ai fait un Delicuite parce que l'autre, il me répondait pas. Mais j'ai livré à la mine. Les gendarmes qui sont sur la Fiesta, pensez à la prime. Pensez à la prime pour moi. Mais ouais, frérot. J'arrive, t'inquiète pas. Bon, je vais perdre 2 minutes à... Bon, par contre, tu peux envoyer le message qui dit que j'ai livré. Ouais, attends, voir un message arrivé. Oui, mais je peux pas parce que je suis en délit de fuite, gros. Ah, t'as pas livré, c'est en délit de fuite, frère. Faut s'arrêter là-bas. Mais j'ai déjà livré. Mais je me suis arrêté, sauf que maintenant, je suis parti. Ils m'ont pris en chasse, ils m'ont rattrapé. C'est dans la merde. T'attends, là, je vais... Bah, t'as autant de la voiture, arrête-moi, pourquoi tu continues? Mais parce que délit de fuite, gros, j'ai envie de m'arrêter, non, donc voilà. Ah, il a allé, c'est ça, non. Quoi? Non, en fait, là, si t'as un gros, j'enlève ta voiture, c'est ton merde. Attends, parce que là, il y a un truc. Mais non, pourquoi? Bah, délit de fuite, gros, refus d'obtempérer.
Hey. Ah ok ok, attends, attends, ok je m'arrête, c'est bon. Il y a, les gars, il y a une opération là en cours. Bonjour monsieur. Oui bonjour. Bonjour. Ça accélère pas un petit peu fort dans le virage là-bas? Bah justement j'étais en sortie d'autoroute en fait, et justement le et justement okay, le temps que je freine monsieur, ma voiture elle est un petit peu difficile. C'est le temps que je freine en fait. J'étais en train d'accélérer, vous m'avez pas pas remarqué? Les papiers, votre permis de conduire. Ouais. Tenez monsieur, sans problème. Pouvez-vous klaxonner sur... C'est bon Max. Il est pas là encore. C'est bon. C'est tout est en règle. Je suis là moi. OK. Tout est beau, oui. Mais je vous donne un avertissement par exemple, quand vous sortez de l'autoroute il faut desserrer avant. D'accord. Beaucoup de flics ici, tiens. Ouais. Pas de souci monsieur. Merci à vous en tout cas. Je suis. Bonne journée, au revoir monsieur. Ouais, j'arrive gros. La mégane de la douane, tu t'occupes de la fiesta? Ouais, c'est fait, t'inquiète. Mais il est con lui. Tu lui as enlevé des points et tu lui as mis une amende. Non, non, il allait pas si vite. Ouais, j'allais pas à 200, t'as vu. Ouais, mais délit de suite, voilà. Non, mais c'est pas moi, frère. Moi, je faisais pas un délit de suite, hein. Eh hey papy, c'est... Ah mais la fiesta, y'a personne qui le contrôle. Le mec, y'a personne qui me contrôle, moi je me casse. Attends frère. Ouais mais t'as raison. Mais voilà, après le mec il me rattrape et il me dit rien. La fiesta, j'étais toujours sur les lieux. Hein. Mais alors, tu dis rien. T'es con. Eh oui, mais les autres ils étaient en train de parler. Attends frère. Il y avait l'autre fille qui était en train de parler. Oui, bah ouais, vas-y, alors on reprend RP. Bonjour monsieur. Allez, go, attends, attends. Motif du contrôle, excès de vitesse. Mais en fait, monsieur, je peux justifier cet excès de vitesse. C'est parce que il y a une voiture derrière moi qui m'avait poussé violemment et j'avais l'impression que personne me suivait. Donc j'ai accéléré pour ma vie. Monsieur, vous avez, vous êtes mis en danger. Vous avez fait un contresens. Je vais m'arrêter parce que là. Vous n'avez pas obtempéré avec les gendarmes. Si si si, monsieur. Je... Dès que je vous ai vu, je me suis arrêté, monsieur. Donc 80 avec, et quand ah ouais, c'est 80, d'accord. On est trop, on après, peut-être que je vous ai pas entendu. Derrière toi, frère. Bah, monsieur, moi je vous vois tout seul, alors je vois pas ce que vous dites. Hein. Ah, mais t'es la B. Monsieur, mais mes collègues ils sont partis. Et non, on était quoi, trois, monsieur, si vous voulez, je vous les rappelle. Oui, appelez-les. La mégane blanche. Je suis là, frère. Barreau, venez sur place. En fait, je suis en train d'inviter lui là à gauche. Monsieur, go. Sauf si que je vous donne un petit billet de 1000, on peut oublier tout ça. Tant pis, vas-y, viens. Monsieur, ça va être 3 points en moins et 25 000 euros d'amende. Hein. Et avec un petit billet mais de 1000, tu l'as invité déjà, ça, putain, le mec. Monsieur, le billet et la corruption, ça marche pas avec moi. Bah pouvez-vous me laisser tout seul avec vos collègues alors s'il vous plaît monsieur? Je suis là. Non, c'est moi qui vous contrôle. Fais gaffe frère, les flics. Et j'ai pas le droit d'appeler quelqu'un monsieur? Je suis à 80, ça va. Appeler qui monsieur? Mon avocat. Bah monsieur, vous pouvez l'appeler mais... Forceur. Et il fera rien pour vous hein. Qu'est-ce que t'en sais? Mais monsieur, je vous rappelle que sur l'autoroute il y a des caméras de, des caméras de surveillance qui. Ouais, les trois. Pas fait cet excès de vitesse. Non, mais tu comptes comme gros excès de vitesse, 5000 euros d'amende et 6 points. Non, c'est... Je redis. Ouais, le PNJ il est apparu devant moi. Ouais, ça non, arrive. 5 points. Donc 5000 euros d'amende. Les gros excès de vitesse. 5000 euros et 5 points. Ouais mais un peu plus parce qu'il a fait délit de fuite et il a pas obtempéré. Donc on va lui mettre 10 000 et les moins 5. Putain mais arrête, non. Monsieur on va être gentil, on va vous la rabaisser à 10 000 et je vais vous laisser vos moins 3 points. Mais monsieur je peux juste vous expliquer, vous demander quelque chose. Pourquoi tout à l'heure quand vous m'avez arrêté, vous ne faisiez rien, vous n'avez même pas bougé? Monsieur, en fait, mon collègue était à la radio et il faisait trop de bruit, c'est pour ça que j'ai attendu. Monsieur, j'ai attendu 10 minutes comme ça. Je ne vois pas pourquoi on m'arrête pour ne rien me dire.
Je demanderai qu'il y ait déjà un petit bonus entre guillemets. Négocier pour voir, non, bah les couilles, gros. Bah, vous avez monsieur, Fry. C'est qui Fry ici qui veut le. Qui s'est fait niquer 10 minutes hein. Ouais. Donc, je prends quoi là, monsieur? Déjà que. Oui, d'accord, je prends quoi, monsieur? Donc, je pense que. Oui, d'accord, ouais. Au moins 3 points et vos 10 000 euros d'amende, ça vous suffira. D'accord, monsieur, merci. Au revoir. Donc, je vous souhaite pas bonne journée, non, au revoir. Je vais me perdre. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Fusion, comment allez-vous? Ça va nickel et vous, pas trop déçu la dernière fois? Si. Allez-vous, j'ai loupé ma prime de Noël, du coup, mon fils a eu une PSG et une PS4. Ah, ça c'est con, quoi. Ah, ça c'est très con. Du coup, là, je vous ai clairement pris en gros excès de vitesse. Hein. En gros, abusez pas, j'étais à 20 km, je reconnais l'excès de vitesse, mais de 20 km. Non, non, gros, que j'ai dû freiner parce qu'il y avait un rabattement. Je suis arrivé à 340 dans ton cul, j'ai freiné, je me suis mis à ta hauteur, j'étais à 250. Ma voiture, c'est pas possible, ma voiture va pas plus de 290. Et bah, j'ai pilé comme un. Je suis mec, je suis arrivé à 340 dans tes fesses, j'ai pilé comme un porc, j'étais à 250 à ta hauteur. Donc, d'accord, monsieur. Du coup, ça fait gros. Donc, du coup, déjà, on va commencer par l'excès de vitesse. Tu feras 5 fois en moins. Et ça, 3000 euros d'amende. Attends, prenez 2 minutes. Attends. Ah, c'est ça? Oui, c'est ça, mais je vais juste voir un truc. Tu m'as mis combien? 3000 et 5 points? Ouais. Oh, le bâtard, il m'a mis le maxi. Ah, je le vois, je crois. Il a vraiment ça. 3000 et 5 points. Les points, les gens, on va voir. Le papier du dimanche, la carte de l'église. Allez. Oh, que dit du coup. Non, il est fou. Du coup, papy, bah, est-ce que tu peux ta plaque, elle est bonne ou pas? Oui, elle est bonne maintenant. D'accord. Alors, par faire comme la dernière fois, vous savez qu'il y a du transport d'immigrés dans la région? Ah ouais, je suis au courant. Oui, du coup, je vais transporter. J'ai été choqué. Je transporte un petit jeune qui va travailler à la mine. À la mine avec son abonnement, mais c'est sûr qu'il est très mine. Ah non non, il est 100% français, ils ont leur mine. Moi je suis halal. Non mais. Bon, allez, je vous laisse repartir. Mais vas-y frère. Vous êtes terroriste, monsieur. Et pas de panier, mais il y a personne à sortir avec des immigrés. C'est scandaleux. Je vous ai pris en plein. Du coup, ouais, je vous laisse. Attends, laisse-les parler. N'oubliez pas de passer. Laisse-les parler. Pour payer l'amende et qu'on vous retire vos points. C'est bon, j'ai noté mon amende. Je peux y aller, monsieur? Merci. Bon. Oui, allez-y, bon train de dormir. Bonjour, monsieur. Que se passe-t-il encore? Vous êtes. Est-ce que c'est normal que vous avez déboulé devant moi? J'étais à 170, c'est limité à 180. Oui, je comprends pas trop là. Votre collègue, vous et votre collègue, vous étiez. Moi et mon collègue. Moi et mon collègue, j'étais au moins 20 mètres. Il est loin. Je suis au moins 50 mètres derrière lui. Et je roule à 170. Comment tu veux que je fasse une infraction? Moi, je roule en à plus, 200. En plus, monsieur, vous m'avez rentré dedans, vous avez cassé ma voiture. Moi, j'ai fait comment là? Pour une fois que je respecte l'imitation. Moi, je peux plus travailler. Je fais comment? En plus, j'étais à 170. Allez, 176 maxi. Je dépasse pas les limitations. Pourquoi vous m'arrêtez moi? Mais c'est pour ça que je vous ai vu au fond aller vite et sur mon radar c'est écrit 186. Non, vous avez pas de radar pour aller aussi vite, faut vous mettre derrière vous, monsieur. Derrière moi, pardon. Et j'étais pas à 190. Sur l'autoroute, je vais pas à plus de 180. Ma voiture a déjà du mal à les atteindre. C'est ça le problème. Une Ford Fiesta, monsieur, bon, ça va juste pas à 300. Tenez, monsieur. Je peux quand même vous déranger, avoir un constat parce que. Là, elle est un peu cassée quand même. Vous avez déboulé devant moi comme ça et tout. C'est un oui, peu oui, difficile, allez, monsieur. Merci, c'est gentil. Oh, j'aurais dû lui demander un constat à l'autre. La Gallardo, quand même, c'est pas trop RP là. Ouais, mais c'est urgence en fait. Comment? Ouais, bah oui, on a tous l'excuse. T'inquiète. Ah oui, attendez, je klaxonne. Vous avez regardé la plaque aussi? Je suis gentil, je vous aide. Dans votre travail.
faire des flammes si vous voulez, non? Oula. Ah mais je peux passer avec ma voiture, elle paraît assez puissante. Regardez, c'est UR694 ah, BV, c'est la bonne. Les gars, j'ai oublié de vous dire, si c'est un contrôle du véhicule, genre si vous n'avez pas fait d'infraction, vous pouvez refuser que le flic vous demande ce qu'il y a dedans, dans votre voiture. Ah d'accord. Vous avez le droit de seulement regarder ce qu'il y a dedans. Aïe. Seulement si vous êtes en infraction. Est-ce que vous êtes au courant du transport d'immigrés Ah moi je viens de faire un. Oui monsieur, oui monsieur, mais en quoi ça m'implique dans votre trafic bizarre? Peut-être que... qu'est-ce que vous transportez? C'est quoi ce bug? Excuse-moi le flic hein, derrière. Je transporte Moi aussi j'ai bugué. Je transporte des personnes normales, je les amène au chantier travailler, comme par exemple peut travailler un turc le matin ou le dimanche matin. Aussi. Voilà. Ouais, ouais. Aller au travail. En France. C'est fait normal. Merci vous aussi monsieur. J'amène des gens travailler. Je vais vous inviter les gars, quelqu'un pourrait inviter Greg B. Merci. Je vais vous inviter d'acquitter la partie les gars. Aïe. Et c'est qui était dans la Subaru? Ah, Greg B, c'était un flic les gars, on a perdu un flic. Ah, je vois les trucs, c'est bon. Le flic en Subaru là, il est cheaté. C'est lui que je voyais voler. De quoi? Le flic en Subaru, sa Subaru elle est trop rapide. Il est en V100 en même temps, je suis en B moi. Fab, j'ai pris pour toi. Ouais, mais c'est pas... Oublie pas. Ah bah moi j'avais des émigrés. Hein, j'ai pris deux fois pour toi frère, alors oublie pas, hein, dès le début et après. À la fin donc... Bah c'est pas de ma faute au début, bref c'est tout. Oublie pas frère, never forget. Hein. Putain. Quel accent. J'ai ouais par exemple, Fab, ouais. T'as tellement sauvé Fab. Bah ouais frère, à chaque fois c'est moi qui prends. C'est abusé. Pourtant j'allais à 170, j'étais normal, réglo et tout. Lui il allait plus vite que moi et tout, c'est moi qui prends. Je suis dégoûté. Oui frère. J'ai trop le seum. Oh excuse, Max, j'ai pas entendu parce que il y a... Excuse, je dérange. Ah garde-toi de l'écouter. Ça y est, j'ai envoyé le message, maintenant je fais destination. Allez go. Monsieur, monsieur de la police. J'aurais besoin d'une information s'il vous plaît. Bonjour monsieur, petit contrôle des personnes. Mais je vous pose une question monsieur. Allez taisez-vous s'il vous plaît les mecs. Merci. C'est qui à Ice Cream? On s'en fout, intervention. Ah, vous avez remis votre plaque. Oui monsieur. Je peux enlever la bonne route. De toute façon, je vous l'avais promis, donc... Alors, votre assurance, s'il vous plaît, permis de taxi. Bah, tenez, monsieur. Il était à jour. Bah, c'est parfait, tout est à jour, votre plaque est à jour. Ah, j'ai pas pris la bonne route. Un bon transport, et puis bonne fin de semaine. Merci vous aussi, monsieur, bon courage. Au revoir. En fait, vous regardez... Au revoir. Ouais. Le policier qui m'a arrêté, là. J'ai pas pris la bonne route, frère. Oh, elle a du mal la soupe. Vivement que je m'en achète une autre, tiens. Eh, Ice Cream. Oui. Oui. Bonjour. Désolé, mon micro a été coupé. Oui, bonjour, monsieur. Pourquoi il m'arrête? Bonjour. Oula, monsieur, vous avez vu? Ah, mais non, mais hé, les gars, il y a des mecs qui viennent alors qu'ils jouent pas, quoi. Monsieur, attendez, la gendarmerie m'a arrêté, les gars. Mais non, mais Max Rider Canada, virez-le. Attends, je vais dire. Il y a le tout. Il y a je crois aussi. Maintenant. Alors vas-y, qu'est-ce que tu m'as dit, j'en ai remarqué. Oui, bonjour. Pourquoi vous vouliez à droite de la route? Ah, mais gros, on était en jam. Parce qu'il y avait un taxi qui était au milieu de la route qui bougeait plus. J'ai dû l'excuser. Qu'est-ce qu'il va me faire, encore? Il freine comme un malade. Est-ce que je peux avoir les papiers carte grise? Monsieur Ice Cream, c'est ce que je peux y aller? J'ai une course importante à faire. Oui, vous pouvez y aller. Oh, ça bug. Merci, monsieur, vous êtes très aimable. Bonne journée. C'est chiant cette NG, ça arrive. Vous aussi. Klaxonnez s'il vous plaît. On a peu le temps de changer la klaxon, hein, les gars. Ouais. Ok, d'accord. Qu'est-ce que vous transportez? Mais je suis pas en infraction, j'ai pas envie de vous dire. D'accord. Ok, c'est correct. Tenez vos papiers. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.
Je la soude. Ouvre le chemin, si tu veux. Je me garde. Pour prendre des petits chemins. Ah. Et je vais où? Bah, je sais pas. Tu sais où tu veux aller? Ah bah, à la mine. Bah, donc derrière. Je me fais escorter, ma gueule. Je te paye une glace, si tu veux. Ou du charbon. En fait, tu me faisais de la peine à rester derrière. Bah oui, mais j'osais pas... Et puis tu pouvais même pas doubler parce que les pointillés sont pas du bon côté, ils sont de l'autre côté de la route. Pour ceux qui arrivent en train. Ça finit dans combien de temps? On a encore 5 minutes. Putain! Faut que je finisse cette présence, on va démarrer une autre. Bonjour. Contrôle des papiers de véhicule, monsieur. Je suis pas là, 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 là. Contrôle du papier de véhicule, monsieur. Ah oui, tenez. Merci. En tout cas, merci à la Gaillardo. Vous pouvez klaxonner, s'il vous plaît. T'as pas compris. Et merci, c'est bon. Tenez vos papiers, monsieur, et au revoir. Merci. Au revoir. Ah, pardon. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, je vous avais repéré au loin. Je commence à accélérer pour essayer de vous contrôler. Si j'avais un adulteur pour contrôler à 250, du coup, je vais prendre ça. Mais moi, j'étais à 100, hein. C'est pas de ma faute. Vous êtes à 3 km derrière et vous prenez du temps à arriver. Mais si j'étais ça, ça veut dire si vous avez fait un dépassement à la... sur la droite avec une ligne continue. Ouh, regarde, regarde, regarde bien devant, regarde, regarde, comment elle est, ça sent pas dépasser. Juste avant le virage, si vous voulez, suivez-moi, juste avant le virage, c'était une ligne continue, vous avez dépassé. Ah si, ok. Ok, d'accord, pas de soucis, non, 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 c'est bon, c'est bon. Ok, du coup, ça va faire 500$. Ok. Et ça va être 2 points. Ok. Ok. Je vais continuer parce que j'ai un client qui veut aller au festival là et la fête va démarrer. What? Et aussi, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous transportez? Bah, un jeune homme qui va faire le festival là, juste à gauche là-bas. Okay. D'accord. Précise, demande si c'est un immigré ou pas parce que moi je me suis déjà. C'est pas un immigré. Il est chiant avec son micro. Ouais, d'où? Oh monsieur, je m'arrête. On pourrait faire un constat s'il vous plaît? Ok, les casques, vas-y, je trace. 2,70 sur l'autoroute, c'est pas mal. Je pense. Bon, après, j'ai une petite soupe bridée, mais bon. C'est sûr qu'elle est bridée. Une Gaillardo, elle est bridée. Oui, oui, elle est bridée, oui. Ah, j'ai croisé un confrère, lol. Oui, j'arrive à m'aller briser. Ah, là j'ai croisé un flic. Allez, on est. Vous avez fait combien de livraisons, les gars? Je vais à 4ème. Putain, si 10. Moi, je suis en train de faire ma 2ème. Je crois que je suis à la 7ème. Il reste combien de temps? 2 minutes 50. Ok, les gars. Maintenant, je te... On a jusqu'à 25. 25, non, ça fera 26.
Là, je vais remplir mon 8e trajet. C'est qui au milieu de l'autoroute? Je vais pas dire, mais les flics, ça fait demi-tour sur les lignes. Non mais oui. Mais gros, tout à l'heure, Kratox, là, il faisait des drifts autour du rond-point. Ouais, bah c'est lui. Je crois que c'est lui, là. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est lui. Mais non, mais lui, il... J'ai le temps de faire une dernière. Non, je suis dans ma dernière. Moi, il y a un mec, je sais pas ce qu'il fait là. Il a un Nissan GTR, frère, devant moi. Bon, en Sky... Non, en Skyline. Il est en Skyline, pardon, excusez-moi, j'ai fait une énorme erreur. Je sais pas qui c'est, il est en Skyline devant moi, il driftait et tout tout à l'heure. Limite, il m'entrait dedans quand je devais être à 80. Tu vois ce que je veux dire? Une minute, les mecs. Ah, voilà, lui, faut le virer. Hey, y a un gendarme à côté de moi, je dois freiner ou pas? Parce que je roule aux limites. Hein. Je suis au milieu du chemin, on fait comment? Ah, ok, pas de soucis, je roule aux limites donc ça va. Bah, tu finis ta livraison. Ah, ouais. T'inquiète, je suis Ken Block. Hey. Je crois qu'il y en a un qui arrache kit, mais je suis pas sûr. C'est un keuf. Pourquoi j'ai une Lamborghini qui me suit? Après, on fait un police voleur. Non, ça veut dire qu'on fait un avec des pompiers. Non, va, je vais améliorer le RP, je vais l'améliorer. De quoi? Tu mets des pompiers et tout, je te kiffe. Au pire, quand tu mets des unités, j'entends pas. BRI, c'est brigade rapide, genre avec les Aventadors sur autoroute. Non, mais ça, c'est lesquels qui peuvent aller sur l'autoroute. J'ai pas entendu, je suis arrivé à mon... Bonjour monsieur, je suis arrivé à mon lieu de livraison. Je devais amener une personne ici. Voilà, je suis arrivé monsieur. D'accord. Non, c'est un contrôle de papier. On doit effectuer des contrôles de papier. Bah pas de souci monsieur. On a pris plusieurs véhicules qui étaient pas en règle en fait. Ah mince, c'est dur. Ah c'est dur ça. Bah tenez monsieur, je vous donne tout ce qu'il faut, les papiers. Pour nous non, c'est terminé. Pour les autres personnes. Oh, on arrête tout de suite. Pas de soucis, monsieur Bâtonnet, je vous donne tout, tous les papiers, tout ce qu'il faut. Pas de soucis. Je peux avoir votre assurance ainsi que votre fameux permis, comme quoi vous êtes taxi. Oui, j'ai commencé à glisser au début du virage. Tenez, monsieur, je vous ai donné tous les papiers. Terminez votre livraison et votre ça, intervention, c'est fini. Grosse infraction, du coup, parce que vous étiez encore en dépassement. Sur et une gros truc, je suis en intervention, là. Ok, désolé. Fusion, est-ce que tu peux me confirmer la plaque de frag, s'il te plaît? Donc, UR 694 BV. J'espère que je l'avais pas changé, sinon je suis dans la merde. Toi t'es pas 180 toi. La plaque de monsieur frag, attention, c'est UR 694 BV. Yes. Je crois que c'était Dark. Et bien noir, mais je suis pas sûr. Ah. Et c'est n'oubliez la bonne. Pas, faites attention, il y a bientôt votre assurance qui va se terminer. Ah, elle va bientôt s'expirer. Faudra pas oublier de changer le petit papier. Faudra que je la renouvelle, pas de soucis, monsieur. Donc, voilà. Bon, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, vous aussi, monsieur. Bonne fin de journée. En tout cas, je peux faire mon outro. Ouais, mais au pire, tu rajouteras après. Je peux faire mon outro, les gars, ou pas? C'est comment? Non, parce que. J'adore le petit. Non, tu fais pas ton outro. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à lâcher un big pouce bleu, vous abonner à la chaîne de... Hein ? N'hésitez pas à lâcher un big pouce bleu, vous abonner à la chaîne de Evosion, de toute façon elle est dans la description comme d'hab. Et j'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à partager à tout le monde, tout ça. Et partage aussi. Donc, voilà. Lâche voilà. Un pouce bleu. L'espace bleu. Donc surtout, on va continuer la série comme d'habitude. Et voilà les gars, sur ce je vous dis ciao, la bise. Bisous.
Ciao. Au revoir.